Bonjour, je m'appelle Benoît et je suis bénévole pour l'association Les Ruisseaux de l'Espoir. Notre association des Ruisseaux de l'Espoir a été créée en 2007 et vient régulièrement en aide à des enfants d'Éthiopie. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la première édition de Danse pour un sourire. Notre projet de solidarité Danse pour un sourire aura lieu les 23 et 24 février à Vénissieux. La journée du samedi sera consacrée à des cours de danse de 11h à 20h30. Débutants, intermédiaires confirmés, enfants, adultes, parents et grands-parents, vous êtes tous les bienvenus, car tous les cours seront dispensés par des professionnels de la danse. Pour information, vous pourrez choisir entre du locking, popping, dancehall, djembel, afro, breakdance, crump, hip-hop ou house. Le dimanche 24, nous organiserons notre premier battle all-style en 2 contre 2. Pour ce premier battle, nous aurons la chance d'avoir 4 juges qui sont respectés et reconnus dans leur discipline. En breakdance, Gordo Spin, en house, Ali House, en hip-hop et house, Curtis, ainsi que David No Time en crump. Cette journée de convivialité sera également une journée de découverte de la culture du hip-hop, puisque nous accueillerons des jeunes artistes du bassin lyonnais. Des DJ, des rappeurs, un beatboxer, ainsi que des artistes peintres qui seront là durant tout le week-end. Enfin, durant cette journée, nous vous ferons découvrir la traditionnelle cérémonie du café éthiopien. À retenir que les fonds et les dons récoltés serviront à la création d'une école en Éthiopie pour des enfants qui sont handicapés et ou orphelins. Rendez-vous les 23 et 24 février, métro D, arrêt Paris, salle Fit Dance. Si vous désirez plus d'informations, merci de visiter notre page Danse pour un sourire et à bientôt.